Eh bien salut à tous les amis, c'est PandaStream18 aujourd'hui. Donc nouvelle vidéo, donc une nouvelle étoile vient de se lever au ciel. Donc cette fois-ci c'est Laurence Badi. Donc si vous savez pas c'est qui, c'est une actrice et doubleuse. Enfin c'était une actrice et doubleuse, pardon. Donc elle est née le 15 juin 1928 et décédée ce jeudi 11 janvier 2024. Donc à l'âge de 95 ans. Donc elle avait joué dans Les Visiteurs, Les Couloirs du Temps, donc Les Visiteurs 2, sorti en 1998. La Traversée de Paris, sorti en 1956 avec Jean Gabin, Louis de Funès et Bourvil. Elle avait doublé dans Cusco, L'Empereur Mégalo, sorti en 2000. Donc ici, attendez, je vais vous montrer. Voilà, tant que j'y suis, je vais vous présenter. Voilà, Cusco, L'Empereur Mégalo. Voilà. Sorti en 2000 et Cusco 2 sorti en 2005. Donc elle doublait la serveuse de l'auberge. Donc Atlantide, l'Empire perdu sorti en 2001. Donc ici voilà. Donc voilà, donc Atlantide, l'Empire perdu sorti en 2001 et Les Énigmes de l'Atlantide sorti en 2003. Donc elle avait doublé Madame Placard. Donc franchement, personnellement j'ai vu que le premier et franchement je l'ai trop kiffé. Franchement, il était trop bien. Donc elle a doublé Madame Placard et dans Rocks et Rookie 2 aussi. Donc sorti en 2006, elle a doublé Zelda. Donc le 2, perso, je ne l'ai jamais vu, j'ai juste vu le premier, mais le 2, jamais vu. Donc elle a aussi doublé dans des séries, donc dans Casper et ses amis, donc une série de 1950 à 1959. Donc elle a doublé Casper, donc elle a fait la voix de Casper. Donc elle a beaucoup doublé dans les séries Scooby-Doo aussi. Donc Scooby-Doo, où es-tu? Donc de 1969 à 1970. Donc Fantomastic, mon vôtre, signé Scooby-Doo, sorti en 1972, enfin de 1972 à 1973. Donc Scooby-Doo Show, donc The Scooby-Doo Show, de 1976 à 1978. Scooby-Doo et Scrappy-Doo, sorti en 1979 à 1980. Mystérieusement vôtre, signé Scooby-Doo, de 1983 à 1984. Agence Toutou Risk, sorti de 1988 à 1991. Donc, elle faisait la voix de Vera Dinkley. Donc, voilà. Et aussi dans la série Les Animaux du Bois de Ketsu, donc, qu'elle a doublé, La Belette et Charmeuse. Donc voilà, j'ai aussi deux DVD, donc le premier, enfin pas le premier, mais dites-moi en commentaire c'est quel épisode ou quel volume de la collection de DVD, quoi. Le début du voyage, voilà. On demande à un chef. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour lui rendre hommage et aussi voilà quoi, pour annoncer son décès pour ceux qui ne le savent pas encore et voilà quoi. Donc paix à son âme, repose en paix, paix à son âme, force à sa famille et ses proches et voilà. Donc comme tous les acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, désolé, ils resteront à jamais dans nos cœurs, donc voilà quoi. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et activer la cloche de notification pour savoir quand je ferai les prochaines vidéos. Allez, ciao!